Hello les amis, et là on se retrouve, on est le premier jour à Tokyo, hein. On se trouve ici, j'en ai juste le masque 2 secondes pour respirer parce que là c'est toujours obligatoire le masque. On est à Tokyo, attendez je vous mets juste, voilà déjà une jolie, je crois que c'est une crown là qui ronronne très bien, mais on n'est pas là pour ça. Là on est pour un meeting RWB, je vous emmène tout de suite voir ça et ça va chier. C'est cool, ils ont pensé aux caméramans et puis aux Instagrammeurs et tout. Ils ont mis des beaux néons. Sérieux, les gars, elle a bleu, elle est magnifique. Ah, mais des francophones, ça va aussi. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a une vingtaine. Toutes des RVB. Elles sont toutes incroyables. Alors il y a assez peu de luminosité, hein. On est déjà le 6-7 heures le soir. Je vous la fais vraiment en direct, comme si vous y étiez avec moi. Oh purée, mais matez-moi le moulin. Voilà, du coup, il y a, je crois qu'il y a une chie d'étranger. Ceci, elle vient vraiment de l'enfer avec sa déco. Ouais, là vraiment, c'est du lourd, c'est du lourd. Allez voir un petit peu le cadre est vraiment magnifique devant ce temple là. On continue. Il y a une chier d'Instagrammeur, une chier de people, ou nom de gueux, il y a même du merchandising là. Je vais passer derrière. Regarde, alors là, la couleur elle rend pas là. Ah, mais je m'excuse, je bafouille. Hein. Il y a les 15 heures de vol derrière aussi qui aident pas, mais vraiment. J'espère que vous kiffez autant que moi. On fait une petite parenthèse sur la chaîne Jidosha là pour parler des voitures allemandes, mais bon, on est au Japon et puis là, faut dire que c'est quand même du p*** de lourd. Et mais matez-moi ça, cette largeur, ces hanches. Mon Dieu, mon Dieu. C'est la grosse folie. Et là, on a encore mais un cabriolet. Ah, la verte pomme, elle est superbe aussi. Il y a des reflets, c'est marqué RWB avec les reflets. Je ne sais pas si on arrivera à les voir. C'est assez sympa, c'est très 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 discret. On voit le 11 sur le capot là. J'aime beaucoup l'effet. Avec les phares bleus là, celle-ci elle est dingue. Regardez voir avec la ligne bleue. Et en parlant de bleu, j'espère que ça mérite un pouce bleu, hein, que je me décarcasse pour vous là. Bon, je dois dire que je me fais aussi plaisir, hein. Il n'y a pas de raison vraiment. Mais regardez-moi cette largeur, elle est dingue celle-ci. Des stickers là sous l'aileron. C'est la folie. J'espère qu'on va pouvoir les voir partir. On a une rouge. Oh, je crois qu'il y a des voitures qui arrivent dans les rues à côté. On ira faire un tour. Matez-moi cet aileron. La folie les gars, la folie. Le canard de fou. Ah, là on voit rien quoi. Je crois que je viens de voir une Civic Type R passer, là on ira jeter un œil après.
Oh là les gars, mais partagez-moi cette vidéo, faut qu'elle fasse des likes, hein, des vues. Faut monter. Ouais, on croise aussi des GT86, une S2000 aussi. Assez rare. Oh, et une petite. Moi je traverse comme un gros. Petite scalène de papa. C'est tout simple comme ça, mais c'est tellement commun au Japon, mais ça fait toujours plaisir pour nous de les voir. Oh! Petit truc qui a pas l'air super légal là, derrière la Porsche. Mais matez-moi cet RX-8. Par choc devant, il y a un peu de couleur. Ah ouais. Ouais. Voilà pour cette vidéo sur le meeting RWB. Ça sera une petite parenthèse Porsche sur la chaîne Didocha, mais je pense que ça en valait vraiment vraiment la peine. En tout cas moi je suis comme un gamin. Allez les gars, mettez-moi un bon pouce bleu, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur n'importe quoi. Et je vous dis, déjà matin, on continue les vidéos.